monde, c'est FinxClan. On se retrouve encore aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Pokémon version blanche. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super. Donc la dernière fois, on était arrivé à traverser donc la grotte électrolyte. Et nous sommes arrivés à Parsemi, je crois que c'était. Pas dire de bêtises. Hein? Qu'est-ce qui se passe déjà? Ah bah le professeur Quetelleria. Oh bien la Master Ball, ça c'est cool. Les heures de destruction des Pokémon, blablabla. Carolina. Ok. Tout ça, je ne sais pas que tu as raison. Ok. Bah, tout simplement, on va aller voir si déjà on peut l'affronter, vu que des fois ils vont nous dire, oh, il faut que tu ailles à tel endroit. Alors, attendez, du coup, non, je vais voir le panneau. Hop. L'acrobate des cieux, donc ça sera plus avec Pokémon électrique, logiquement. C'est surtout Magneton qui va faire le taf. Waouh! Aïe! Ouais, je préfère ça. Hein. Il est fou, lui. Ok. Pas cool. Oui. Oh, j'ai pas eu le temps. Désolé, monsieur. Je suis dégoûté, j'ai pas eu le temps, j'étais juste à côté du truc pour me planquer. Allez, il a un Pokémon de toute façon. Nous, on a notre Magneton qui va bien aider. Et Xerosh aussi, il faudrait que je vois si Corrosion, il a pas une attaque Rush. Hop, on va faire étincelle. Ok, nickel. C'est ça, continue à faire plénitude, toi. T'as tout compris. Bye bye, Rhinolove. La Colombo qui passe niveau 29. Ok, ça se mange, je sais pas avoir. Ok. Ok. Ça, c'est chiant. À chaque fois que je suis pile devant un truc. Allez, le cryptéro. Pareil, étincelle, hein.
ça a évité une protection. Ah. Là, ça va être relou par contre. Ça va être relou. J'espère que c'est du fait qu'il a mis sa protection. Ok. Ok, nickel. C'est bon, c'est passé. Magnéton qui monte niveau 33. Voilà, je m'y attendais. Allez, faut pas qu'on traîne. Ok. Ah, il garde la planque, lui. Ouais, c'est logique. Allez, il a deux Pokémon, donc un Arceptre pour commencer. Allez, étincelle comme d'habitude. Ah, oh, prévention. Ok. On va faire éclair pour le finir. Ça dégage, merci d'être passé. Colombo qui monte niveau 30. Et un déflaisant. Tac, on fait ça. Ok. Tac, on va le finir avec éclair. Ah, il fait détection. Ah, c'est bête, hein. Ta détection a échoué. Du coup, tu meurs. Merci. Tac, ok, donc là, c'est bon. On va attendre que le prochain ait un truc d'air passe. Voilà. Hop, et dès qu'il commence à la ralentir, on accélère. Non! Aïe, bon, ça y est, le truc pour nous rattraper. Oh non, mais sérieux, à chaque fois que je suis plus. Ah non, c'est bon. Ouais, mais du coup, ça m'a ramené quand même là. Oh non, mais laissez-moi tranquille! Je vais pas y arriver, les amis. Ok, c'est bon. Sur celle qui les actionne. Ah, pas cool. Ça, c'est pas cool. Oh, mais j'y fonce droit dessus. Fait, les trois trucs là, c'est des cul-de-sac. Il faut que tu passes à droite au lieu d'aller à gauche. En fait, c'est ça le truc. Je viens de comprendre l'astuce, je pense. Hop, on va faire directement éclair pour commencer. On va finir avec éclair, hein. Je vois que ça lui a fait pas mal de dégâts.
pas été plaisant. Boulelec, ça c'est bien. On va enlever cage éclair, je m'en sers jamais. Colombo qui passe niveau 31. Non, bah non. Aïe. Bah non, ça passe pas là. Ah non, d'accord, faut utiliser le premier courant, ok. Forcément. Faut que ça m'envoie sur lui. Allez, c'est pas grave, on va le défoncer. Quanton. Quanton, on va lui faire éclair. Oh le super efficace qu'il one shot. Et Rhinolove. Pareil. Ok, il nous fait amnésie. On va faire étincelle. De toute façon, j'utiliserai une un truc pour récupérer des pp contre la championne. Boum, bye bye Rhinolove. Merci d'être passé. Voilà, on l'a battu. Enfin, on a battu le dresseur. On va se mettre là au cas où. Hop, on va utiliser. C'était quoi que je voulais? Une huile max. Non, on va juste utiliser l'huile. Non, l'élixir. C'est bien l'élixir. Au moins, il récupère toutes les pp. Tac. On va utiliser une eau fraîche. Pour remettre d'aplomb. Voilà, parfait. Et let's go, les amis. Allons affronter la championne. Let's go, les amis. On va essayer de battre Carolina. Et cette Pokémon de type vol, elle en a 3. Elle envoie un Rhinolove pour commencer. Allez, on va commencer avec Boulélec. Ah, il fait crève-cœur déjà. Ouais. Ah, ok, donc ça peut nous mettre la trouille. Ok. Allez, Boulélec. Nice. Allez, on va finir par étincelle. Boum. Ton Rhinolove lui crèvera tout des cœurs. Colombo qui passe niveau 32, lame d'air, bien sûr que je vais lui apprendre à la place de. Non, de l'atterrissage. Tac. Un lac Messing. Tac, Boulélec. Ok, Febido. Oh. Là, ça commence à faire mal. Oh, dommage. Tac, on va faire ça comme ça. On va y envoyer Aquacouac. Faut vraiment pas que mon magnéton meurt. Ok, nice. On va mettre soit un PVPP. On va le mettre une guérison.
Non, une potion max plutôt, ça sera mieux que je garde mes guérisons. Tic tic tic. Allez, une hyper potion, hop. Voilà. Ok. Tac, on va faire choc mental juste histoire de pour le finir lui. Ah bah on va pas le finir forcément, c'est lui qui va nous tuer avant. Ah bah non, il était une hyper potion, super. Ok. Est-ce que Grotition il a pas une attaque de type roche? Si roulade en plus. Mais Grotition risque de mourir. Voilà, avec Grande Lame d'air et tout ça. Ah bah ouais, c'est one shot, super. Bah on va renvoyer Magneton. Boulélec. Ça va être compliqué. Non, c'est bon. J'ai joué ça. Ah oh, un armure, ça c'est pas cool. On va y envoyer Colombo juste pour faire revenir à la vie notre gros tisson. Parce que armure dit acier. Et acier dit le feu. 30 PVPP, tac tac tac. J'ai pas de rappel. J'ai plus de rappel. J'ai. Oh là là. Super. Tac. Ok. Soin PVPP, on va utiliser une hyper potion sur Grotichon. Parfait. Juste pour le délire, je vais lui faire une nouvelle attaque. Waouh. De toute façon, on savait que Colombo allait mourir, donc c'est pas trop grave. On va y envoyer Gros Tissu maintenant. Une trop charge. Oh putain, transfert quoi. Ouf, c'est bon. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Allez. Au moins on augmente notre vitesse d'attaque. Et si là, non, on nous fait hâte. Ouais, mais hâte, ça peut être chiant pour l'attaquer. On va essayer d'attaquer le feu. Ah, pourquoi il nous attaque maintenant en premier, lui? Nice. Ah, oh, ça fait rien du tout. Sauf que, ouais, à mon avis, c'est que le. C'est qu'il a le truc paratonnerre, je pense. On va le tenter, mais à mon avis, c'est. Ça va être la galère. Ah non. Ah, mais c'est bon en fait. On a gagné en fait. Je pensais que l'armure aurait l'atout, genre le truc paratonnerre, donc je pourrais pas l'attaquer, mais en fait c'est bon. On a gagné. Donc magnétique qui monte niveau 35. Et on a obtenu donc le badge. Et en plus Colombo qui évolue. Parfait.
Donc ça, je le changerai pour le prochain épisode. Donc ça y est, on a notre déflaison. Parfait. Tac, ça y est, on a obtenu le badge. Ce qui nous fait donc notre sixième badge. Le badge de jet. Avec la CT acrobatie. Nice. Allez, on va utiliser le raccourci. C'est parti. Alors, genre, ça nous met carrément à la porte. Du coup, ouais, ça, on le fera au prochain épisode, les amis, la tour des cieux. On va aller soigner nos Pokémon et puis on mettra fin donc à cette vidéo. Alors, direction le centre Pokémon. Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis.